La marche constitue l'un des piliers dans la lutte contre le diabète. C'est dans cette optique que l'association Marche Courir pour la cause a initié sa 4e édition de la traversée du Mayombe. Une marche qui s'est inscrite dans le cadre de la sensibilisation de la population congolaise aux conséquences et facteurs liés au diabète. Ce qui m'a poussé à faire cette marche, il y avait deux raisons. La première raison fondamentale, c'est la cause qui était poursuivie par l'association Marchons Courir pour la cause, c'était la lutte contre le diabète. Après, il y avait aussi le fait que autour de moi, il y a des personnes qui souffrent de maladies. C'est une maladie qui touche tous les Congolais en fait. Dans notre environnement, on a des gens qui ont cette maladie-là. Donc, il était important pour moi de pouvoir participer, rien que par rapport à cette cause d'abord au départ. Personnellement, j'ai eu à sensibiliser dans une école, c'est l'école de Madingou, Gare A, où j'ai parlé aux enfants de CE2. Justement du diabète, c'est quoi le diabète? On leur pose des questions simples. Hein. Cette marche qui a regroupé plusieurs athlètes a permis à cette association de mener des actions en faveur des populations sensibilisées au diabète. 418 personnes ont été dépistées du diabète à Madingou, parmi lesquelles 24 cas de diabète et 12 cas de pré-diabète ont été enregistrés. Toutes les personnes diagnostiquées ont bénéficié d'une prise en charge initiale gratuite. 700 écoliers et enseignants ont été sensibilisés ici à l'hôtel de ville de Brazzaville. 90 personnes ont été dépistées ce matin. 4 cas de diabète et 3 des pré-diabètes ont été enregistrés. Le président de l'association Marche Courir pour la cause a souligné son engagement d'accompagner les patients dépistés du diabète. Il y a deux axes. Le premier axe, c'est que nous, en tant qu'association, l'accompagnement qu'on fait, c'est sur un premier axe qui est une prévention primaire. Apporter des informations sur la maladie, comment la reconnaître, apporter des conseils pour se prémunir en matière d'activité physique, de nutrition et d'habitude de vie. L'idée, c'est de pouvoir, à terme, développer une application digitale qui permette à tous les Congolais et toutes les populations en langue vernaculaire et en français d'être au quotidien conseillés sur qu'est-ce que cette maladie, comment s'en prémunir. À cette rencontre de la 4e édition de la traversée du Mayombe, initiée par l'association Marche Courir pour la cause, qui a bénéficié de l'appui de ses partenaires, les participants ont eu droit au prix dénommé Elombe.